Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Alibis à gogo de Man Rubin. Sa femme, en ce matin brumeux d'octobre, il a détruit en même temps tout ce qui peuplait son existence. Ses espoirs, ses ambitions, sa propre personnalité. Pourtant, il n'a pas eu le choix. Lorsqu'après 7 ans d'une vie conjugale sans nuages, il a découvert que Marsha le trompait, il a été pris d'un sentiment de rage et de douleur aussi absolu que la confiance qu'il avait eue en elle. Si encore elle n'avait pas reconnu aussi effrontément son inconduite, si elle n'avait pas eu ce petit rire méprisant pour se moquer de sa souffrance, mais c'est qu'elle se serait débarrassée de lui comme on congédie un domestique s'il l'avait laissé faire. Maintenant, Marsha gît au pied de la cheminée, son exquise beauté toujours intacte. Mais pourquoi diable a-t-il pris un avion de si bon matin pour rentrer de Chicago ? Pendant des années, il s'est rendu là-bas tous les mois pour ses affaires et jamais il n'est rentré de ses voyages avant la fin de l'après-midi. Alors pourquoi ? Un caprice, sans doute. L'envie de surprendre sa femme encore endormie, de la réveiller d'un baiser, puis de passer un moment délicieux avec elle autour de la table du petit-déjeuner. Au lieu de ça, il a découvert l'appartement dans un affreux désordre, empestant l'alcool et le cigare froid. Le visiteur nocturne était déjà parti et Thomas a espéré, contre toute logique, une explication plausible. Mais Marsha n'a rien expliqué. Elle s'est contentée de rire et de l'accabler de son mépris. Alors il l'a tuée. Sans savoir comment, il se retrouve dans la rue, marchant au hasard. Sans Marsha, sa vie n'a plus aucun sens. Il ne désire plus qu'une chose. Avouer son forfait, expier sa monstrueuse faute. Il fait demi-tour, elle un taxi en maraude et donne au chauffeur l'adresse de son domicile. Quelques instants plus tard, il est devant chez lui. « Attendez ici !» ordonne-t-il au chauffeur. Dans le hall d'entrée, il aperçoit Raymond, le gardien de l'immeuble, un homme déjà âgé. Thomas se dit qu'il fera l'affaire aussi bien qu'un autre pour monter avec lui à l'appartement, découvrir l'horrible spectacle et avertir la police. Car il doit bien se l'avouer, il n'a pas le courage de retourner seul là-haut. Un peu plus tôt, quand Thomas est rentré de l'aéroport, Raymond et lui ont échangé quelques paroles aimables et même une ou deux plaisanteries. « Bonjour, monsieur Meredith !» fait Raymond en clignant de ses yeux de myope. Le voyage à Chicago s'est bien passé ? Thomas s'arrête net. Même s'il est vieux, le gardien n'est pas encore gâteux. Il n'a pu oublier leur première rencontre de ce matin. Mais Thomas n'a pas le temps d'approfondir la question. Dites-moi, Raymond, je voudrais que vous me rendiez un petit service. C'est au sujet de ma femme, Madame Meredith. Le gardien ne le laisse pas finir. Oui, oui, monsieur, je suis au courant. Elle m'a fait monter et m'a dit que le temps était à la pluie. Attendez, je vais le chercher. Le vieil homme se précipite vers une petite alcôve et en revient avec un parapluie. Thomas sent la tête lui tourner. J'ai bien son parapluie. Vous vous sentez pas bien, monsieur Meredith ? Fait gentiment le portier. Raymond, d'où sort ce parapluie ? Demande Thomas d'une voix qui résonne bizarrement à ses oreilles. Ben, je viens de vous le dire, c'est votre femme qui... Non, assez ! Hurle Thomas. Ma femme n'a rien pu vous donner du tout, et cessez de feindre que vous me voyez pour la première fois aujourd'hui. Mais c'est bien elle qui me l'a donné ? Proteste faiblement Raymond. Et puis, c'est vraiment la première fois que je vous vois aujourd'hui. Vous n'arrivez pas directement de l'aéroport, là ? Espèce d'abruti ! Siffle Thomas entre ses dents. Je
suis venu il y a une heure. Vous m'avez ouvert la porte et aidé à monter mes bagages jusqu'à sur le palier. Et après... Après, je suis entré dans mon appartement et j'ai étranglé ma femme. Vous comprenez maintenant pourquoi elle ne pouvait pas vous donner ce parapluie ? Elle est morte ! Je l'ai assassinée il y a plus d'un quart d'heure. Le gardien lui jette un coup d'œil, un peu narquois. Sans vouloir vous offenser, monsieur, un peu tôt, elle commence à boire. Meredith tourne les talons complètement écœurés. Le vieux est un peu cinglé, se dit-il. Il se souvient vaguement du long récit confus que lui a fait un jour Raymond sur la façon dont sa propre femme a causé sa ruine. Le commerçant aisé qu'il était alors a dû se contenter ensuite de ce modeste emploi de gardien. Mais Thomas n'est vraiment pas d'humeur ce jour-là à lui trouver des excuses pour ses trous de mémoire. Il regagne son taxi en courant et donne au chauffeur l'adresse du commissariat de police le plus proche. Nous y voilà, dit le chauffeur quelques instants plus tard. Meredith sort $5 de sa poche et les fourre dans la main de l'homme, puis ouvre la portière sans même attendre la monnaie. « Hé, une seconde !» hurle le chauffeur. « J'ai pas vu le compteur ?» Ahuri, Thomas se penche en avant. Le compteur affiche $25.75. « Enfin, c'est une erreur, » dit-il. « Il est impossible que... »« Quoi, vous prétendez que mon compteur ment ?» gronde le chauffeur, une espèce de malabar au visage sanguinaire. Il a été examiné il y a 2 jours. D'ailleurs, je fais tout le temps le trajet depuis l'aéroport et ça tourne toujours autour de $25. Thomas secoue la tête comme pour se réveiller d'un mauvais rêve. Mais vous ne m'avez pas pris en charge à l'aéroport. Je vous ai aidé il y a 5 minutes. Nous n'avons pas fait plus de 1500 mètres. Le chauffeur fronce les sourcils et secoue la tête. Vous avez des hallucinations ou quoi? Ça fait plus d'une heure que je vous véhicule. Tout le trajet depuis l'aéroport, on a fait un rapide arrêt devant votre immeuble, et puis vous m'avez demandé de vous conduire ici, et maintenant, sortez le reste du fric, hein, sinon je sens que je vais devenir méchant. Alors choisissez, mais vite! Thomas Meredith finit par payer. De toute façon, il se moque bien de ce que peut devenir son argent, puisqu'il a perdu la seule chose qui comptait vraiment pour lui. Tenez, dit-il en lui tendant $30. Gardez la monnaie. Merci, fait l'autre avec un sourire ironique avant de mettre le contact et d'appuyer sur l'accélérateur. Attendez un peu, s'écria alors Thomas en reprenant soudain ses esprits. Nous ne sommes pas devant le commissariat de police. Bah quoi, c'est pourtant l'adresse que vous m'avez donnée, dit le chauffeur d'un air exaspéré. Mais vous mentez, nous sommes devant l'immeuble où se trouve mon bureau. Pourquoi m'avez-vous emmené ici, hein? Pourquoi? Le chauffeur se penche par la portière et brandit un doigt menaçant. Dites donc, c'est la 2e fois que vous me traitez de menteur. Une de plus et je sors de ma voiture et je vous mets en morceaux. Mais il faut que j'aille à la police, balbutie Thomas. J'ai tué ma femme. Je l'ai étranglée. Il faut que j'avoue mon crime. Avouez, si vous y tenez tant que ça, mais à quelqu'un d'autre, hein. Moi, il faut que je gagne ma vie. Là-dessus, le chauffeur embraye et juste avant de s'éloigner dans un crissement de pneus, crache l'insulte finale. Ne devriez pas commencer à picoler de si bon matin, monsieur. Il y en a qui pourraient vous prendre au sérieux. Laissons à Thomas Meredith le temps d'avaler l'insulte et de retrouver un peu de lucidité pour envisager la suite. Il en est sûr, c'est un fait réel, précis, objectif. Alors pourquoi le traite-t-on de demeuré et d'ivrogne? Au prix d'un grand effort, il sort de sa léthargie et pénètre dans l'immeuble qui abrite son bureau. La solution est sûrement là-haut, se dit-il. Dès qu'il verrait un visage familier, quelqu'un qui le connaissait, qui connaissait Marchand, tout deviendrait clair. Arrivé au 7e étage, Thomas entre en coup de vent dans le bureau de son associé Ben Ross, un ami de longue date. Ah, Tom, s'écrie Ben en le voyant. Les représentants de McGraw seront ici dans une demi-heure. Ça s'est bien passé à Chicago. Et est-ce que t'as les plans? Ben, j'ai quelque chose à te dire, commence Thomas. Non, les plans d'abord, insiste gentiment Ben. Je ne les ai pas, dit Thomas. Ils sont dans mon porte-documents chez moi. Tu comprends? Je me suis arrêté à la maison pour voir Marsha ce matin. Je pensais lui faire une surprise. Ouais, je suis au courant, dit Ben avec un grand sourire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Ben oui, elle a téléphoné il y a 5 minutes pour dire que t'avais pas à t'inquiéter pour ton porte-document et qu'elle s'est occupée de tout. Thomas s'enfonce à nouveau dans le cauchemar. Il a l'impression que sa tête est prise dans un étau qui se resserre à chaque instant. Je ne comprends pas. C'est de Marsha que je parle, explique Ben. Ah, pour l'efficacité, elle craint personne. Donc, elle a téléphoné il y a 5 minutes. Apparemment, la compagnie aérienne lui a téléphoné pour lui dire qu'on a retrouvé ton porte-document dans l'avion ce matin. Alors, il voulait savoir où l'envoyer. Et comme Marsha était au courant de la réunion avec Magro, elle a demandé qu'on l'expédie ici vite fait. Thomas se laisse tomber dans un fauteuil. Anéanti. Il s'accroche encore à l'espoir qu'il n'est pas devenu complètement fou. Ben, dit-il, Ben, je t'en prie, ne fais pas ça à toi aussi. Hein? Mais de quoi parles-tu? Demande son associé en s'avançant vers lui, l'air manifestement inquiet. Ne me dis pas que Marsha t'a téléphoné, dit Thomas. Ce n'est pas possible. Mais elle l'a bel et bien fait. Non, ben, si tu veux, j'appelle Art. Il était dans le bureau quand elle a téléphoné. Il lui a parlé aussi. Ainsi, Art, le second de ses associés, est dans le coup également. Mais pourquoi? Écoute, Ben, dit Thomas d'une voix blanche. Marsha est morte. Elle n'a donc pas pu te téléphoner. Elle est étendue raide morte à côté de la cheminée depuis plus d'une heure parce que je l'ai étranglée. Tu comprends? Je l'ai étranglée ce matin. À ce moment-là, Art, un grand rouquin à l'air toujours rigolard, entre en trompe dans le bureau brandissant un porte-document. « Salut, Tom !» s'écrie-t-il joyeusement. « Tu vois, c'était pas la peine de te faire de mille, les plans sont là. Un coursier vient de les apporter de l'aéroport. Ah bah, tu pourras dire à Marsha qu'elle est une vraie petite fée !» Thomas bondit de son fauteuil. Les pensées tourbillonnent dans sa tête à telle allure qu'il en a le vertige. Si les plans sont ici, c'est que quelqu'un est allé les chercher à l'appartement. Art ou le soi-disant coursier, peu importe. Et ce quelqu'un a forcément vu le cadavre de Marsha. Les yeux affolés de Thomas vont de Ben à Art. Oh non, je vous en supplie. Je vous en supplie. Il faut que vous me croyiez. Marsha est morte. Je l'ai tuée. Vous le savez, puisque j'ai laissé mon porte-document à l'appartement et que maintenant il est ici, j'ai étranglé Marsha. Je l'aimais et je l'ai étranglé. Alors s'il vous plaît, téléphonez à la police, qu'on en finisse, qu'on en finisse. Plus les deux hommes essaient de le calmer avec des arguments d'une implacable logique, plus Thomas hurle, vocifère, gesticule dans tous les sens. En fin de compte, ils sont obligés de le maîtriser à l'aide d'un presse-papier de cuivre qu'ils abattent sur sa tempe gauche. Thomas sombre alors dans un gouffre sans fond. Quand il revient à lui, il est allongé sur un canapé, une compresse sur la tête. Peu à peu, il reconnaît les objets qui l'entourent. Un cendrier, une lampe, une table basse. Mais oui, il est chez lui, dans son salon, à quelques pas de l'endroit où il a étranglé Marsha. Pourquoi l'a-t-on ramené sur les lieux de son crime? Pourquoi le corps de Marsha a-t-il disparu? Thomas refuse de croire que tout n'a été qu'un rêve. Ces choses-là n'arrivent qu'au cinéma ou dans les romans. Il entend un bruit de voix et tourne la tête. Ses deux associés sont près de la fenêtre et conversent avec un homme qu'il n'a encore jamais vu. Sans doute, se dit Thomas, le corps de Marsha a-t-il été examiné, photographié et conduit à la morgue? Et l'homme doit être le policier venu l'arrêter. Enfin, tout serait fini. Il s'assied avec un grognement qui attire l'attention des trois hommes. Celui que Thomas prend pour un policier s'approche de lui. Il a le regard triste et pensif et un pâle sourire très doux. « Je suis le lieutenant Ferrandi, » dit-il.
l'avez-vous trouvé, Marsha ? Demande Thomas. Oui, nous l'avons trouvée. Elle est morte, n'est-ce pas ? Oui, elle est morte. Je suis prêt à signer des aveux complets, dit Thomas précipitamment. Je n'ai rien à cacher. Le lieutenant Ferrandi lui jette un regard plein de sympathie. Allongez-vous, monsieur Meredith. Le coup que vous avez reçu à la tête vous a passablement sonné. Votre femme est morte accidentellement dans sa baignoire, sans doute en glissant sur un morceau de savon. Thomas se penche en avant, les mains sur les oreilles, incapable de l'entendre davantage. Non, 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 non ! Hurle-t-il. Ça n'est pas possible ! C'est pourtant vrai ? Répond doucement le policier. L'eau coulait encore lorsque nous l'avons découverte. Qui l'a découverte ? Vos deux associés et moi-même. Inquiets de votre comportement au bureau, ils m'ont appelé au commissariat. Nous sommes arrivés en même temps devant votre porte et nous vous avons porté ensemble dans cette pièce. C'est alors que nous avons découvert le corps de votre malheureuse femme. Ça n'est pas un accident, dit Thomas d'une voix ferme. Je l'ai tué. Croyez-moi, monsieur Meredith, dit le lieutenant. J'ai 22 ans de métier. Méga et moi, nous savons encore faire la différence entre une mort accidentelle et un meurtre. D'ailleurs, vous n'aurez qu'à demander au docteur Newman. C'est lui qui a examiné votre femme. Pourquoi refusez-vous de me croire ? Demande Thomas d'une voix lasse. Le policier hausse les épaules. Je peux trouver 6 témoins qui réfuteront chaque détail de votre confession, monsieur. Leur témoignage s'imbrique si étroitement que pas un juré au monde ne vous croira responsable de la mort de votre femme. Mais pourquoi ? Plaide Meredith d'un ton si désespéré que le lieutenant Ferrandi tressaille. Pourquoi tous ces gens, dont certains sont pour moi de parfaits inconnus, se liguent-ils pour m'aider, pour me sauver ? Alors ça me dépasse, marmonne le lieutenant. Mais Thomas a vu comme une hésitation dans son regard, une lueur indéfinissable, comme si l'homme se livrait à un combat intérieur. Vous aimiez votre femme, monsieur ? Demande enfin Ferrandi. Elle était toute ma vie. Jusqu'à ce que vous découvriez qu'elle vous était infidèle. Oui, dit Thomas. C'est pour cela que je l'ai tué. J'ai eu si mal tout à coup, si mal. Oui, je comprends, dit le lieutenant en hochant la tête. Nous comprenons tous. Que voulez-vous dire ? Demande Thomas qui sent qu'il approche enfin de la vérité. N'avez-vous jamais pensé, monsieur Meredith, dit lentement le policier, que bien d'autres hommes issus de tous les milieux sociaux ont pu vivre une expérience analogue à la vôtre ? Des maris comme vous qui seraient rentrés chez eux inopinément et auraient souffert la même humiliation, la même cuisante déception que vous ce matin. Continuez, dit Thomas dans un souffle. Supposez, monsieur Meredith, supposez que ces hommes s'unissent pour protéger d'autres victimes infortunées et qu'ils se tiennent prêts à faire face à toutes les situations créées par le mari nouvellement trahi. Pensez aux services qu'ils pourraient rendre à cet homme que le choc a anéanti.
si grand que soit le risque, si terrible que soient les conséquences, il viendrait à son secours. Il l'aiderait à reprendre le dessus et à recommencer à vivre. Ne pensez-vous pas, Monsieur Meredith, que de tels hommes méritent d'être épaulés? Je suppose que si, dit Thomas, partagé entre le soulagement et une folle envie de rire. Le lieutenant Ferrandi sort de sa poche quelque chose qu'il tend à Thomas. Bienvenue au club, Monsieur Meredith. Voici votre carte de membre. Dans une semaine environ, vous recevrez un manuel vous expliquant nos méthodes. Puis la porte se referme doucement. Thomas Meredith sent qu'il commence déjà à reprendre goût à la vie. Bravo, c'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui donc, Alibis à gogo de Manon Rubin.